Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose de mettre un pied, un tout petit pied, dans l'univers du jazz et pour ça on va s'inspirer de la BO du film La La Land. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, le jazz c'est un style extrêmement riche et assez complexe à aborder. Quand moi j'ai commencé à m'intéresser au sujet, j'étais complètement largué, je comprenais rien du tout. Entre les grilles avec 50 accords qui sont tous enrichis dans tous les sens, les différentes gammes qu'on peut jouer sur les mêmes accords, bon, j'étais complètement à l'ouest et j'ai mis pas mal de temps à faire le ménage dans ma tête pour comprendre un peu comment c'était structuré. On va utiliser des outils qui sont vraiment standards en jazz, mais ça va nous permettre de comprendre les grands principes. Donc, on va se servir de la gamme majeure, je vais faire un petit rappel de ce que c'est, de comment on la joue sur la guitare. Ensuite, on va voir quels accords on peut utiliser sur cette gamme et comment on peut construire une rythmique sympa qui s'inspire de La La Land. Et dans un troisième temps, on va regarder ensemble comment on peut approcher cette gamme pour sonner un peu jazzy et quels sont les plans et les phrases qu'on va pouvoir trouver pour faire une impro sympa. Pour ce tuto, j'ai choisi la tonalité de Sol majeur. Donc ça veut dire que j'ai droit à deux outils. Le premier, c'est la gamme majeure de Sol. Et le deuxième, ce sont tous les accords que je vais pouvoir construire à partir des notes de cette gamme uniquement. Donc pour commencer, la gamme majeure, comme n'importe quelle gamme, c'est tout simplement une succession d'intervalles qui sont définis. Donc ici, par exemple, pour jouer ma gamme majeure de Sol, je vais partir de ma tonique, le Sol, en troisième case corde de Mi, et ensuite, je vais juste tout simplement appliquer le schéma de gamme majeure, c'est-à-dire tonique, seconde majeure, tierce majeure, quarte juste, quinte juste, sixte majeure, septième majeure, et ici mon octave de sol. Vous avez peut-être reconnu un petit peu la couleur très spécifique de la gamme majeure que quasiment tout le monde connaît. Donc ça, c'est ma gamme majeure de sol. Petit aparté, si je voulais jouer la gamme majeure de La par exemple, je pars du La n'importe où sur la guitare, là je le prends ici en case 5 cordes de Mi, et je réapplique exactement les mêmes intervalles. Ok, donc là je vais avoir le La, seconde majeure, tierce majeure, quarte juste, quinte juste, sixte majeure, septième majeure et octave de La. Si je veux jouer la gamme majeure de n'importe quelle note sur le manche sans même savoir laquelle c'est, hein, je prends au pif celle-ci, et ben j'applique les intervalles. C'était ainsi, mais en tout cas vous voyez le principe, il n'y a rien de compliqué, c'est un schéma à connaître et après vous pouvez l'appliquer n'importe où sur le manche. Ok, donc là on a vu la gamme sur une corde, c'était pour que vous compreniez bien comment les notes s'enchaînent. Maintenant on va voir comment on peut la placer sur les six cordes, c'est ça qui nous intéresse. Pour ça, je vais utiliser une forme de gamme à trois notes par corde. Alors si vous êtes habitué au pentatonique, ça va vous faire un changement radical dans votre manière de jouer de la guitare, puisque là vous avez vu, hein, j'utilise mes trois doigts sur les cordes, et en plus je fais des écarts assez importants qui sont vraiment difficiles à jouer au début. Donc si vous débutez avec ce type de gamme, surtout pas de panique, sachez que ça va vous prendre du temps, ça va vous demander de la régularité et de l'entraînement. Moi j'ai plutôt des grandes mains, comme tout le monde, j'en ai bavé pendant des semaines avant de maîtriser cet écart. Donc voilà, pas de panique, c'est complètement normal d'avoir un peu mal au début. Et surtout, ne forcez pas, hein, si vous travaillez cette gamme et vos écarts. Dès que vous sentez que ça tire un peu, même si c'est au bout de 10 secondes, tout de suite vous arrêtez, vous détendez bien votre poignet, vous faites des petits étirements, voilà, pour éviter les tendinites. Je reprends ma gamme, donc je vais partir ici de ma tonique. Et donc là, je vais aller chercher la seconde majeure et la tierce majeure sur ma corde de mi grave. Donc attention au doigté. Instinctivement, on a plutôt tendance à faire index annulaire et auriculaire, mais moi je vous conseille vraiment dès le départ de travailler index majeur petit doigt. Si par exemple vous voulez travailler le jeu en legato par la suite, voilà, vous avez vraiment intérêt à travailler dès le départ ce doigté, ça vous fera toujours ça de moi à apprendre plus tard. Je continue ma gamme sur la corde de La, quarte juste, quinte juste, sixte majeur. Ensuite, je passe en quatrième case, corde de Ré, septième majeur. À la cinquième case, je retrouve l'octave de ma fondamentale. Ça veut dire que là, j'ai joué ma gamme en entier. Voilà, si je compare
compare à ce que j'avais fait tout à l'heure. Voilà, je joue exactement la même chose. Du coup, il me reste encore des cordes, donc je vais continuer mon chemin. Donc ici, je suis sur mon octave et je vais refaire tout un cycle de la gamme à l'octave. Donc du coup, seconde majeure. Ensuite, je passe en corde de sol. Tierce majeure. Quarte juste. Quinte juste. Ensuite, je passe à la cinquième case sur la corde de si pour trouver la sixte majeure. Septième majeure. Et un deuxième octave de ma fondamentale. Il me reste encore de la corde de mi, donc je vais continuer un nouveau cycle, mais que je ne pourrai pas terminer. Seconde majeure, tierce majeure, et quarte juste. Je vais reprendre tout ça d'une traite pour que vous puissiez bien entendre comment sonne la gamme sur les six cordes. Voilà. Donc on a notre position 1 de gamme majeure, c'est-à-dire la première position la plus logique puisqu'elle part de la fondamentale. Entraînez-vous à bien repérer où se trouve la tonique à chaque fois, comme je l'ai fait, en découpant un petit peu la gamme. Voilà, là on a un octave, un deuxième octave. Voilà, parce que si vous jouez tout d'un coup, et vous ne savez pas où se trouvent vos repères de tonique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ok, maintenant qu'on a vu la gamme, on va regarder quels accords on va pouvoir utiliser. Ah oui, parce que c'est cool de connaître une gamme, mais si on ne sait pas comment s'en servir, ça sert vraiment à rien. Donc, je ne vais pas faire un cours d'harmonie, hein, c'est pas l'objet de cette vidéo. Je vais aller assez vite sur cette partie. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser tous les accords qui sont construits exclusivement avec les notes de la gamme. Donc là, j'abrège, mais en gros, on va pouvoir utiliser, par exemple, un La mineur 7. Hein, si on regarde le dessin de mon accord, on voit bien que toutes les notes du La mineur 7 font partie de la gamme. Vu que le La est la deuxième note de ma gamme majeure, hein, le Sol est ici, le La est la deuxième note, on va dire que ça c'est mon accord de deuxième degré. Ensuite, je vais pouvoir aussi utiliser le Ré 7, exactement de la même manière, toutes mes notes font partie de la gamme. Le Ré, c'est la cinquième note de ma gamme, Sol, La, Si, Do, Ré, donc ça va être mon degré 5. De la même manière, je vais pouvoir utiliser mon Sol majeur 7, qui est mon premier degré de la gamme. Et pour finir, je vais aussi pouvoir prendre le Do majeur 7, qui est le degré 4. Voilà, que je peux aussi jouer ici, hein, si je veux étaler ma gamme de manière linéaire sur une seule corde. Donc, on a degré 2, degré 5, degré 1 et degré 4. Donc ce langage de degré, c'est quelque chose qu'on n'utilise quasiment pas en pop rock, mais en jazz, on s'en sert beaucoup, pour la simple et bonne raison que vu qu'on va jongler avec beaucoup d'accords, eh ben, ça nous permet tout simplement de se repérer dans la tonalité. Donc là, quand je vais parler d'un 2, 5, 1 majeur, par exemple, ça veut dire que je vais enchaîner deuxième accord, cinquième accord, et premier accord. Donc ça, le 2-5-1, c'est une cadence qui est très connue. Ici, elle est un petit peu modifiée, puisqu'en fait, on fait un 2, 5, 1 et 4. Donc on pourrait dire que je fais une cadence 2-5-1-4. Du coup, si je mélange ces 4 accords avec ma gamme majeure de sol, je suis sûr de sonner juste, vu que je suis dans la même tonalité. Donc on va vérifier ça tout de suite. Bien compte qu'il n'y a pas de problème, ma gamme sonne nickel. D'ailleurs, cette boucle que je viens de faire, vous pouvez très bien l'utiliser telle qu'elle, hein, elle fonctionne très bien si vous voulez faire des impros vraiment posées. Mais maintenant, nous on va essayer de trouver quelque chose qui swing un peu plus et qui sera plus dans l'esprit de La La Land. Aujourd'hui, exceptionnellement, je ne vais pas trop m'attarder sur la manière dont je joue les rythmiques, parce que je préfère me concentrer plutôt sur le solo, mais je vous suggère du coup deux boucles qui sont possibles. Une qui est vraiment punchy, un peu comme dans l'esprit du thème principal, ça va donner ça. 3, 4...
deuxième sur laquelle on va travailler qui va donner ça. D'ailleurs, je vais plutôt la jouer au doigt pour avoir un son un petit peu plus chaud et moins agressif qu'au Mediator. J'en profite pour l'enregistrer. 3, 4. Ok, ça tourne, c'est dans la boîte. Petit aparté pour ceux qui n'auraient pas de looper ou qui auraient la flemme de faire la boucle, vous pouvez télécharger gratuitement les backing tracks et la tablature sur Guitar Plug and Play. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Il suffit de cliquer dessus. Si vous n'êtes pas encore membre du site, vous devez vous inscrire. Ça prend une seconde et c'est gratuit. Et après, vous arrivez sur la page de téléchargement, donc n'hésitez pas. Maintenant qu'on a notre tonalité, notre gamme et la boucle, on va pouvoir commencer à s'amuser. Mais la première chose que je vais faire, c'est vous donner quelques conseils pour un petit peu modifier votre jeu de guitare. Parce qu'en jazz, on ne va pas du tout jouer de la même manière qu'en blues ou qu'en rock. Donc la première chose, c'est qu'il va falloir avoir la main beaucoup plus légère sur le Mediator et adopter un jeu beaucoup plus souple. Ainsi, je joue ma gamme majeure en mode jazzy en utilisant mes techniques de blues, ça va être horrible. Autant en blues, on aime bien les attaques qui sont franches pour vraiment donner du vibré aux notes. En jazz, il faut que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus feutré. Donc ça, je vais le jouer plutôt comme ça. Voilà. Donc au niveau de l'attaque, soyez beaucoup plus souple et beaucoup plus léger dans votre tenue du Mediator. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les bends, on les oublie hein, en jazz. C'est pas que ça va sonner faux, mais ça va pas du tout sonner dans l'esprit. C'est sympa, hein, mais on n'est pas du tout dans un esprit jazzy. Par contre, ce qu'on va énormément utiliser, c'est le slide. Alors aussi bien le slide au sein d'une phrase, hein, par exemple comme ça. Que les petits slides d'approche qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, par exemple. Voilà, donc si je combine un petit peu les deux effets ensemble. Ça va toujours un petit peu dans cet esprit de jeu plus fluide, plus souple, et d'avoir quelque chose d'assez feutré. Et enfin, on peut utiliser les hammers, les pull-offs, et même le legato. Dans le style de La La Land, ça va très bien marcher. Maintenant, on va essayer d'intégrer tout ça dans trois plans qui s'inspirent énormément de la BO du film. Pour ce premier exemple, j'utilise une technique ultra classique en jazz, c'est le suivi des accords. Ça va donner ça. Donc, ici, tout simplement, je reprends mes quatre accords. Hein. Je suis venu jouer mes cordes de Ré, Sol et Si. Et ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de fretter tout mon accord parce que ça ne sert à rien, j'ai juste mis mes doigts là où j'en avais besoin. Donc en l'occurrence sur l'accord de La mineur 7, je fais juste un petit barré ici, cinquième case. Ensuite, pour mon Ré 7, je rajoute annulaire et petit doigt. Ensuite, pour mon Sol majeur 7, ça comme ça, et pour terminer mon Do majeur 7 qui est juste au-dessus.
Du coup, j'ai mon petit doigt qui est libre et ça va me permettre d'aller chercher d'autres notes de la gamme et ça va enrichir mes accords. Par exemple, je pourrais jouer ça. Voilà. Où là, tout de suite, on sent cette couleur jazzy parce que j'ai enrichi mes accords. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce détail aujourd'hui, hein, sinon on s'en sortirait jamais. Mais vous pouvez un petit peu expérimenter, voilà, en fonction de où vous pouvez placer votre doigt, vous allez sûrement trouver des couleurs très sympas. Maintenant, je vais reprendre le plan en entier. Un premier tour standard et le deuxième avec les enrichissements. C'est parti, 3, 4. Pour le deuxième plan, j'ai vraiment pompé la BO pour le coup, je pense que je fais exactement les mêmes notes et ça donne ça. Pour que ce plan sonne bien, je vais essayer de le jouer un petit peu en décalé par rapport au temps. Parce que si je tombe vraiment sur tous les temps comme un métronome, ça va être un peu trop rigide pour du jazz. Voilà, ça donnerait ça. Nous, on va essayer de jouer un peu out, c'est-à-dire qu'on va un tout petit peu se décaler, se laisser un peu aller, et c'est ça qui va donner un peu de swing à notre ligne de guitare. Ça va donner ça, par exemple. C'est assez subtil comme différence, mais ce tout petit décalage, le fait qu'on tombe pas pile poil sur le métronome, va permettre de gagner un petit peu, encore une fois, en fluidité et donner ce côté un peu cool au jazz. Dans ce dernier plan, il y a en fait deux parties. La première est assez classique, on va se servir du jeu out et des slides. Et par contre, dans la deuxième, on va reprendre le thème en l'harmonisant à la tierce. Et vous allez voir, ça fait quelque chose d'assez cool. C'est parti. Première partie, il n'y a pas de difficulté particulière par rapport à ce qu'on a vu avant. Ça reste un jeu qui est très libre, hein, qui est vraiment à interpréter à votre sauce. Donc pensez à bien vous servir des slides. Si je reprends le début de la phrase un peu doucement. Voilà, pensez à jouer aussi un peu out et appropriez-vous le riff, hein, il faut que ça sonne un petit peu à votre sauce. Pour la deuxième partie, il n'y a pas trop de règles non plus. Vous pouvez jouer un peu comme vous le sentez au médiator, mais moi je vous conseille plutôt de faire des allers-retours, parce que si vous jouez tout vers le bas, ça va être quand même assez agressif. Hein. Alors que si je le joue en allers-retours... On a quand même un son qui est plus doux et un peu plus souple, donc c'est plutôt à privilégier, mais après il n'y a pas vraiment de règles, encore une fois, il faut vous approprier le riff. Et voilà, on en a fini avec cette petite mise en bouche sur le jazz pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ces quelques conseils vont vous être utiles et que ça va vous donner envie de bosser votre gamme majeure. Si ma vidéo vous a plu, comme d'habitude, je compte sur vous. Vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne et ça va me donner énormément d'énergie pour continuer. À très bientôt, salut !